Le plan secret de Denis Sassou Nguesso et de Paul Kagame pour imposer le terrorisme en Afrique centrale. C'est une information d'une grande importance, d'une importance capitale pour les Congolais et la sous-région des Grands Lacs. Les autorités britanniques ont conclu un accord honteux avec le Rwanda de Paul Kagame, violant par la même occasion la Convention de Genève. Cet accord permettra aux autorités britanniques d'expulser les migrants vers le Rwanda. Après 2 ans de bataille parlementaire et à quelques semaines des législatives, l'adoption de cette mesure migratoire est une victoire pour Rishi Sunak. Son projet controversé consiste à expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile, d'où qu'ils viennent, après être entrés illégalement au Royaume-Uni. Quelques heures avant l'adoption du texte, le Premier ministre britannique l'assurait déjà, tout est prêt pour commencer les expulsions. Le premier vol partira dans 10 à 12 semaines. Le succès de cette dissuasion ne repose pas sur un seul vol. Il repose sur un processus continu et implacable d'expulsion réussie et permanente vers le Rwanda, à un rythme régulier de plusieurs vols par mois, au cours de l'été et au-delà, jusqu'à ce que tous les bateaux soient arrêtés. Selon le Premier ministre conservateur, ce projet doit dissuader les migrants de risquer leur vie sur des bateaux de fortune pour rejoindre le Royaume-Uni, alors qu'en 2023, près de 30 000 personnes ont fait la traversée de la Manche. Pour mener à bien les déportations vers le Rwanda, Londres et Kigali ont passé un accord il y a 2 ans, de l'argent, contre l'accueil de migrants. L'opposition travailliste, qui avait bloqué jusqu'alors l'adoption du texte au Parlement, dénonçait lundi un projet coûteux. Ça va coûter un demi-milliard de livres sterling aux contribuables pour un programme qui ne couvrira que 1% des demandeurs d'asile. Les conservateurs devraient plutôt investir cet argent dans le renforcement de la sécurité de nos frontières. En novembre, la Cour suprême britannique avait rejeté le projet à l'unanimité, estimant que le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr. Le risque de refoulement par Kigali des demandeurs d'asile vers leur pays d'origine étant trop élevé selon les magistrats. Plusieurs nouveaux amendements ont permis de contourner cette décision. La loi pourrait faire face à d'autres obstacles judiciaires, mais Rishi Sunak a d'ores et déjà prévenu. Son gouvernement ignorera toute injonction de la Cour européenne des droits de l'homme visant à éviter les expulsions. Cependant, tout n'a pas été dit. C'est que la majorité de ces migrants illégaux viennent essentiellement du Moyen-Orient, notamment de l'Afghanistan et de l'Irak. Des sources dignes de confiance affirment qu'il s'agit d'une opération d'un vaste plan mûrement réfléchi par les Occidentaux pour déstabiliser la région des Grands Lacs, riche en ressources naturelles. Ils veulent implanter des groupes terroristes venus du Moyen-Orient sous couvert des migrants illégaux pour semer la terreur, afin que les autorités sous-régionales vendent à vil prix leur matière première contre des contrats de sécurité dans le but de favoriser le déploiement des troupes militaires occidentales pour lutter contre le terrorisme qu'ils ont eux-mêmes inventé. Alors voilà, nous sommes avec Charles Onana. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je rappelle, politologue, journaliste d'enquête, essayiste, éditeur franco-camerounais et auteur de nombreux ouvrages, dont Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale, un livre extrêmement fort, préfacé d'ailleurs par Charles Millon, une très très belle préface également, aux éditions L'Artilleur. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, parce que depuis le début de cette annonce, je me demande ce qu'il y a derrière finalement, cet accord entre Rishi Sunak, le Royaume-Uni, et le Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Écoutez, les choses sont extrêmement simples. Il y a maintenant 25 ans que je martèle régulièrement que le Rwanda, l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame a été soutenue par l'administration Clinton et par les Britanniques, et qu'il a été pendant une très grande partie de son mandat Monsieur Tony Blair. Et Monsieur Tony Blair est devenu le conseiller, si vous voulez, bénévole
d'après leurs propres termes, du président Kagame. C'est la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne où on voit un ancien premier ministre devenir conseiller d'un dictateur africain, d'un tout petit pays, évidemment ouais. sans enjeu sur le plan économique et sans avoir un poids politique. Donc aujourd'hui, nous avons la matérialisation effectivement de ce soutien, je dirais, acharné que les Britanniques et les Anglo-Américains de manière oui. générale ont à l'endroit de Kagame, et c'est ça qui explique qu'ils aillent en quelque sorte contre tous les avis, y compris juridiques, de la Grande-Bretagne. Oui, mais alors justement, expliquez-nous pourquoi, parce que vous le dites vous-même, ça peut paraître, vu de l'extérieur, étonnant. Vous dites un conseiller Tony Blair, conseiller bénévole, franchement, et on sait très bien qu'il n'y a pas de bénévolat comme ça, de désintérêt pur. Pourquoi une telle attention portée au pays du Rwanda? Quels sont les véritables intérêts derrière? Et écoutez, c'est très simple, encore une fois de plus, les véritables intérêts, ce sont les minerais stratégiques du Congo. Et comme vous le savez, le Rwanda occupe le Congo depuis plusieurs années maintenant, à travers différents groupes armés. D'abord, c'était le RCD Goma, et puis après, c'était le CNDP, et puis maintenant, c'est le M23 dont tout le monde parle. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais sanctionné le Rwanda pour la violation de la souveraineté du territoire congolais. Et on a entendu le président Tshisekedi actuellement à Paris demander des sanctions aussi bien au niveau du Conseil de sécurité qu'au niveau de l'Union européenne, que les pays européens sanctionnent le Rwanda pour son pillage de minerais stratégiques, notamment le coltan qui sert à la fabrication des téléphones portables et puis le cobalt qui va servir à fabriquer les batteries électriques. Le Congo est le plus grand, le plus gros réservoir de minerais stratégiques du coltan et du cobalt au monde. Et donc, c'est pour ces raisons essentiellement que les Britanniques défient en quelque sorte leur système, leur propre système juridique pour imposer en quelque sorte un accord de partenariat sur la question migratoire au Rwanda. Je rappelle pour vos auditeurs que le Rwanda est un petit pays qui n'a pas la capacité de pouvoir recevoir des migrants venant de l'extérieur, puisque des Rwandais eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui se sont exilés après les événements, il y a plus d'un million de Rwandais qui sont à l'extérieur, exilés en France, en Grande-Bretagne, en Hollande, etc. Pourquoi ne pas faire d'abord rentrer ces Rwandais-là et puis faire plutôt choisir de faire rentrer des migrants dont on sait très bien que beaucoup viennent essentiellement d'Afghanistan. Donc ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec ces terres, oui. Le territoire congolais, la guerre qu'ils ont menée en Afghanistan, dont c'est en quelque sorte le bras armé supplémentaire, ce sont les supplétifs que les Britanniques mettent à la disposition de Kagame pour aller faire la guerre des minerais en République démocratique du Congo. Ah oui, parce que, alors justement, ça va loin. Hein. C'est-à-dire que vous considérez que finalement, ces hommes renvoyés de la terre du Royaume-Uni vont pouvoir participer finalement à ce que vous appelez une forme de génocide, un holocauste qui a lieu au Congo. L'exploitation minière, vous savez, les réserves mondiales du cobalt et du coltan, le coltan aujourd'hui fait gagner des milliards de dollars à des multinationales anglo-américaines, et tout le monde fait aujourd'hui la queue en République démocratique du Congo, tantôt pour voler ces minerais à travers le Rwanda, tantôt pour essayer de les avoir à travers les multinationales. Donc, si vous voulez, quelle est la logique qui peut faire comprendre que le Premier ministre britannique va contre les décisions de la Cour suprême, va contre les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, tout simplement pour envoyer, vous voyez le nombre de pays qu'on traverse pour aller simplement envoyer des gens au Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda, un tout petit pays? Si on vous disait, par exemple, qu'il signe un accord avec le Soudan, ou je ne sais pas, n'importe quel pays qui est un vaste territoire où il y a de la place pour pouvoir y mettre des migrants, ce serait logique et compréhensible. Mais un petit pays qui est à la frontière, qui mène la guerre en République démocratique du Congo, et on le fait avec acharnement, eh bien, pour moi, tout est cohérent, tout est clair, et je pense effectivement que vous faites très bien de braquer les projecteurs sur cette affaire ce matin. Il s'agit en effet d'une opération de recolonisation de l'Afrique. C'est ce que nous avons observé dans le Sahel, malgré l'échec que les troupes occidentales
rencontre au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Le dictateur Denis Sassou Nguesso en est conscient, d'où sa volonté de céder à Paul Kagame du Rwanda les terres congolaises. Nous vous informons, si rien n'est fait, les terroristes afghans et irakiens expulsés de la Grande-Bretagne se déverseront au Congo sous le prétexte de faire l'agriculture sous la bannière du Rwanda. Ceci est une information à partager, s'il vous plaît. Denis Sassou Nguesso est un traître. Il a signé ce pacte secret avec Kigali pour imposer son fils à la tête du pays, d'où la présence des mercenaires rwandais dans le dispositif sécuritaire Ampila. Merci de faire circuler massivement l'information. Les Congolais doivent être informés du plan macabre de la famille Sassou Nguesso contre le peuple, contre le pays qui les a tout donnés. Nous appelons aux policiers et aux militaires congolais, patriotes, de prendre une décision courageuse et historique pour sauver ce pays de ce qui s'apparente à une haute trahison. Denis Sassou Nguesso et son fils sont des traîtres à la nation. Merci de vous abonner et de partager l'information avec vos proches. À bientôt. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, l'empire Imatuti a besoin de territoires, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda en se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise. Cette cession faite des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus par ce point, sur ce point par le Premier ministre, constitue un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ARD exige que le Premier ministre Coliné Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo